Non seulement classe égale à HRL Charlotte de Monaco passe tout l'été loin de ses enfants adorés, mais elle va devoir manquer leur rentrée scolaire. Partie en Afrique du Sud en mai dernier pour une mission de conservation de la faune sauvage, la princesse est bloquée dans son pays d'origine en raison d'une sérieuse infection ORL l'empêchant de prendre l'avion. Elle l'a elle-même déploré, elle ne pourra pas rentrer en principauté avant la fin du mois d'octobre. Une fois qu'elle aura, une fois encore, été opérée. Cette intervention d'une durée de 4 heures. Sous anesthésie générale, s'est déroulée vendredi 13 août, comme l'a confirmé le palais de Monaco dans un communiqué transmis à Nice matin. En l'absence de son épouse, le prince Albert s'occupe de leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, 6 ans. Début septembre, le souverain de 63 ans devrait donc accompagner ces derniers pour leur grande rentrée scolaire en CP. Certainement à l'école publique Stella de Monaco, où ils sont inscrits depuis 2019. Les jumeaux étaient d'ailleurs accompagnés de leurs deux parents pour leur premier, petit, pas dans cet établissement. Malheureusement cette année, il faudra renfiler son cartable et découvrir le CP sans maman. Albert de Monaco et les enfants ont déjà fait plusieurs apparitions ensemble en l'absence de la princesse Charlotte. Mais nul ne sait s'ils profitent de quelques jours de vacances pendant cet été si particulier. Peut-être passent-ils du temps dans leur domaine de Rocagel, sur les hauteurs du rocher, où qu'ils soient. Jackie et Bella, comme elle les surnomme, échangent régulièrement avec leur mère par appel vidéo. Elle qui reste en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal. C'est évidemment un jeu de patience pour moi. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je ne peux pas forcer la guérison, la princesse Charlotte a-t-elle récemment expliqué à la radio sud-africaine 702. C'est la période la plus longue durant laquelle je me suis absentée de l'Europe. Sans parler de mes enfants, mais je fais des FaceTime presque tous les jours. Ils sont venus et reviendront me voir après ma procédure. Après un premier voyage en juin dernier. Le souverain et ses bambins auraient pour projet de retourner voir la princesse Charlotte en Afrique du Sud à la fin du mois d'août. Une fois qu'elle aura subi sa lourde intervention. Du moins, si la situation économique et sociale sur place le permet. Bien qu'elle témoigne sa frustration et son impatience en interview, Charlotte de Monaco n'arrive pas à faire taire les rumeurs persistantes affirmant que cette absence prolongée est en fait le signe d'un divorce imminent avec le prince Albert. Alors que le couple vient de fêter ses 10 ans de mariage, le magazine allemand Bild rapporte même que l'ex-athlète de 43 ans aurait prévu de retourner vivre en Afrique du Sud pour de bon. Le visage de la princesse fait également l'objet de suspicions. A-t-il changé depuis son infection et ses diverses interventions? Ses dernières apparitions ne sont pas passées inaperçues.